Clément Balaire est en marche vers la sortie. Après 18 mois à la tête du comité Tarnais du parti présidentiel, ce jeune albigeois de 32 ans vient de remettre sa démission à Christophe Castaner. Les quatre membres de son équipe ont pris la même décision. C'est un engagement au quotidien, véritablement au quotidien, parce qu'il y a énormément de sollicitations. On avait aussi un programme très ambitieux pour le département, on l'a montré hein, dans ces différents mois, on a fait de nombreux événements. Et aujourd'hui, donc, c'est de pouvoir continuer, je le disais, à apporter à la fois cet engagement-là au sein des comités locaux, mais aussi de revenir à une vie professionnelle, à une vie familiale. Au sein des comités locaux du département, cette vague de départ ne surprend pas, car elle est fidèle aux valeurs du parti. Dans la mesure où on ne veut pas fonctionner comme les partis traditionnels, il a été décidé au niveau du mouvement de ne pas salarier de personnel dans les territoires et de ne pas acheter de permanence. C'est le gage de la pérennité de ce système de roulement. C'est-à-dire que effectivement, ça ne donne pas envie forcément de s'installer dans un confort qui pourrait faire oublier l'essentiel. Le nouveau représentant du comité départemental sera nommé dans les jours qui viennent.